Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative en version originale. Aujourd'hui, Patrick, autrement dit, Patrick d'Argirol. Il est de ces chanteurs comme des ouvriers appliqués à la tâche. Il n'aime pas venir au devant de la scène. Il se met de côté. Mais les fois où d'un pas en avant, il se pose, il s'impose. Et d'un rythme et d'un chant un peu saccadé, il appose sa patte. Patrick. Nothing when you don't look at me. When you give me substance to be something now. If not, I won't be anything when this world comes back to the void. Do you trust me now?
When I say I'm nothing, when you don't look at me, when you give me substance to be something now, if not, I won't be anything when this world comes back to the void. Do you trust me now? When I say I'm nothing, when you don't look at me, when you give me substance to be something now, if not, I won't be anything when this world comes back to the void. Do you trust me? Nous écoutions à l'instant Ego and I de Maïdiette Pil. Alors, je m'appelle Patrick Dargirol, nom de code Dargirol avec un D apostrophe, ou Pat pour les intimes. On m'a donc donné quelques minutes pour que je parle de moi, ce qui est amplement suffisant. Pour commencer, je suis né dans le nord de la France au millénaire dernier, dans une petite ville proche du désert culturel. Mon enfance a été remplie de jeux de rôle, de boom dans mon garage et d'entraînement de ninja. En gros, rien qui me prédisposait à faire de la musique. J'ai emménagé sur Nice dans les années 80, quelques années avant que Jacques Médecin ne fuit pour l'Uruguay fabriquer des t-shirts. Et c'est à Nice, à mes 18 ans, que j'ai acheté ma première guitare. D'ailleurs, je me rappelle pas ce qui m'a poussé à l'époque à vider mon livret d'épargne pour acheter cette guitare. Surtout qu'étant gaucher, la seule gratte que j'avais pu trouver sur Nice, c'était une Stratocaster japonaise de 86, noire et blanche. La même que celle d'Eric Clapton. Et j'aime pas Clapton. Mais bon, je suppose que l'envie de faire comme mes artistes préférés m'avait amené à pratiquer l'instrument du diable. Size as if on earth.
C'était French Riviera, une chanson de Mahdia Pil de Patrick. Je me souviens qu'une fois quelques accords appris, j'ai vite essayé de tirer des sons distordus de la gratte. J'ai utilisé une manière à créer la texture sonore, plus que de pratiquer des gammes, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Mes guitaristes de référence à cette époque étaient Lou Reed de Velvet Underground, Daniel Ash du groupe Bauhaus, Joey Santiago de Pixies et Stephen McMurray de Pavement. Ils avaient tous dans leur genre une approche brutiste de l'instrument. Et ce n'est qu'avec les années passant que j'ai essayé de composer de manière plus classique. En somme, j'ai fait un peu le chemin inverse qu'un débutant à la guitare ferait. Burn down the stock exchange, my life would be ranged. A plane the market demands, enough wit, and I wouldn't dare that I've enough of it. The macho is rife, the struggle for life. So welcome in the arena, let me out of it. Go, oh, oh, and fight, let me out of it. Love the music business, my life would be in a gladness. My face doesn't fit, no look, no profit, there's no need to speculate. Touching on the road makes a drowning man clutching at a straw. You can't swallow everything that they want you to. You can't follow the rules where they do. What all the things that you went through, all the delirium. The preconception, it's beyond prescription. And I wouldn't bet that I'm an exception. The industrial revolution is rising from its ashes. Let me out of it. Go, whoa, whoa, and fight to let me out of it. Swallow everything that they want you to. You can't follow the rules where they do. You can't swallow everything that they want you to. You can't follow this lifestyle where they do. What? Welcome to the kinky music club. Welcome to the freaky music club. Welcome to the kinky music club. Welcome to the freaky music club. On écoutait Drowning Man de Mahdia Pil. Musicalement, j'écoutais beaucoup de groupes de rock indé à l'époque. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le genre indé, ou indie en anglais, est un courant musical qui est né au début des années 80 et qui est mort dans les années 2000. Bref, j'écoutais tous les groupes qu'on rattachait à ce mouvement. Je me documentais dans les magazines, j'empruntais les trucs dans les médiathèques. Je faisais des recoupements entre les groupes et leurs influences. Maintenant, avec Internet, je me fais des nuits YouTube où je découvre plein de trucs quand j'arrive pas à dormir.
C'était Patrick qui nous a offert une summer song en plein hiver, c'était Madiette Pile. Pour en venir à mes groupes, la première formation avec laquelle je me suis produit sur scène était Liquid. C'était le groupe de Vladimir Andrijasevic, dit Vlad. Il a duré un an, entre 1994 et 1995. Puis on a formé My Diet Pill, tous les deux dans la foulée. Je n'étais que guitariste au début, ce qui m'allait bien car j'ai toujours eu du mal avec ma voix. Et je n'étais déjà pas un bon guitariste, alors encore moins un chanteur. Mais bon, j'ai fini par y chanter mes compos par la suite. On a fait 4 albums et 2 EP, et beaucoup de scènes en France et à l'étranger. Les qualificatifs qui revenaient souvent à nos débuts pour parler de notre musique étaient bancales, décalé, voire compliqué. Cependant, je n'ai jamais pensé ça de ce qu'on faisait. Enfin, c'est peut-être dû à ça qu'on a évolué vers plus de simplicité par la suite. My Diet Pill existe toujours à l'heure actuelle, avec Renaud Pécou à la basse et Alexandre Perrard à la batterie. I remember the morning dew setting for me and you. Was I a fire starter? I wanna get an answer. If you have any answer, come on, come on, come on. And I remember my Tennessee shining for you and me. Was I the doom soldier or an inhuman monster, scaring folks by looking around, around, and around? Another night in Tennessee, searching for any answer. I find myself begging again, I find myself crying again to find something I don't know well. Mapping the maze of my memory, cause deep inside it's funny. I will deceive myself again, oh I know I will wander again, till this world deserves to be saved. After step I had for nowhere, trading times we used to share. Tell reminds me nothing, you remind me nothing, I've never been here. Just my memories. Was I or a dreaming gun maker or an Iowa farmer? Dream on, dream on, dream on. Another night in Tennessee, searching for any answer. I find myself begging again, I find myself crying again to find something I don't know well. Mapping the maze of my memory, cause deep inside it's funny. I find myself begging again, I find myself crying again. I know I will wander again, though this will deserve to be saved. The welfare of the nation requires some losses in a life. Eating your fellow men, devouring the remains, prospecting uncharted domains. Working at the new plant to
On a écouté successivement Tennessee Boy et Cockroach Blues de Mike Yet Peel. Ensuite, en 2008, j'ai rejoint un autre groupe appelé Kazan. Il était composé de Philippe Daly, dit Phil, en tant qu'auteur-compositeur, de Christophe Duflo à la batterie et Pascal Rustica à la basse. Le groupe s'est arrêté en 2015. On a fait un mini-album et enregistré quelques morceaux à côté, jamais sortis. Et là, c'était un peu pareil qu'avec Mike Yet Peel. Je suis rentré comme guitariste au début et j'ai fini par y chanter mes morceaux. Avec Kazan, j'ai surtout appris à composer de manière plus pop et améliorer mes chœurs. Le groupe trouvait vraiment sa quintessence dans les lives. On répétait, jouait très souvent, et ça m'a pas mal débloqué au niveau scénique. Disons qu'avant, j'essayais de me cacher derrière un pilier si c'était possible, et là, j'ai appris à jouer devant le pilier et à regarder le public. En tout cas, le point commun entre ces deux formations, c'est qu'il y avait deux auteurs, compositeurs, interprètes dans chacune. Et autant Vlad que Phil étaient de bons showmen, ce qui était parfait, car je préfère les rôles de l'ombre. Et je suis tellement bon dans ce rôle qu'à plusieurs reprises, des gens qui avaient vu les groupes en concert m'ont dit ne pas souvenir de moi. What did you expect from a weirdo, darling? Formalized, normalized, well, a standard life. You know, I played the game like Gladio did it. At the sleeper operated, spine stayed behind. Nowhere, you know the truth is nowhere, except in your underwear. Let me get up right away, right now. Itty, bitty, mighty, mo. Get your hostage by the door. If you have to get for the way, itty, bitty, mighty, mo. Let's go. Already crushed in your Mexico, darling. Maybe you've a secret weapon. Now with a balloon in a hell, tries my control on you. How can you forget a thing that I did for you? Nowhere, you know the truth is nowhere, except in your nowhere. Let me get up right away, right now. Eeny, meeny, miny, mo. Catch your hostage by the throat. If you have to take a photo, eeny, meeny, miny, mo. I wanna be the trap inside my head. I wanna try and fly. I'm
do, dawning, formalized and normalized, oh, well, I stand alive, you know, I play the game like Gladio did it, as a sleeper operator, spy and step behind, nowhere, you know the truth is nowhere, except in your underwear, the minute I get up, right away, right now, eeny, meeny, miny, moe, can't you ask me right at all, leave me house, take your follower, eeny, meeny, miny, moe, I grow up, the crap inside my head. I count to my purple, my tears, all the memories I feared, all the dirty deeds I made, all the things I won't ever claim. I finally sent you the throne. The day I took your crown, everything in Fatherland will drive me towards the dead end. In this family show, no slow-mo on my isolation, no asking for my expectations. All the good things the father could give, and the good life I could have lived. Everything in Fatherland will drive me to the dead end. Now here I am. About the audience wants another show. To make it right, I just know how to live head high. You give me a name, you give me pride. But something is rotten in your state, deep inside. I pulled over, fatherland, I'm stuck again, and it takes great sound. And I push and I pull and I push to get me out of here. Thing the father could give, and the good life I could have lived. Everything in Fatherland would drive me to the dead end. Now here I am. Hear me, please, oh my daddy-o. No life tracking this family show. No sleep on my isolation. No asking for my expectations. All the good things the father could give, and the good life I could have lived. Everything in Fatherland would drive me to the dead end. Now here I am. Your heritage is a story. Your lineage dying slowly. Your family's falling in debris. Yet I don't feel free. The script is already written. It's name, it's patricide and fun. It's determinism, the reason of my innocence. But the damage has been done.
treat all life as a merchandise, a case of demon and supply. Oh my, oh I, not a mind reader. Oh. I wish I could offer you a better life, but I scrub all the time. Oh my, oh I wish I'd read a mind just to rewind. If renting your mind afforded happy times, then I'd eat all the time. My reader, I'm not the mind reader. You make it, you fake it, you fake it. You're a single stubborn little girl. You change it, you change it, you fake it, you fake it, you make me girl. Ignorance is bliss, part we must have a time, but no, it wouldn't bother us harm. My reader, I'm not the mind reader. Or am I my reader? I'm not the mind reader. Or am I my reader? I'm not the mind. J'ai le bonheur de vous annoncer, enfin c'était trois morceaux de Kazan, Conspiracy College, Fatherland et Mind Reader. J'ai mûri sur ce point-là et j'ai créé ma propre formation fin 2015. Le groupe s'appelle Sheeps. On y retrouve Christol et Phil de Kazan, Arnaud Sola aux guitares et claviers et Christophe Massol à la basse. Au niveau du style musical, c'est un bon condensé de mon évolution. Pour moi, c'est de la pop-rock, mais on dit une deep-hop, ça fait plus arty. Et on utilise des avatars de moutons pour nous représenter, c'est fun.
c'était Bullets and Burgers du groupe Chips. Et c'est donc avec toutes ces formations que j'ai pu m'exprimer, autant musicalement qu'au niveau des idées. D'ailleurs, mes textes portent souvent sur des sujets sociétaux. J'ai fait ethnologie à la fac et ça m'a appris à regarder les choses d'une certaine manière. Parfois, j'écris aussi sur l'absurdité des choses ou sur l'apparence trompeuse que peut revêtir la réalité. Mais bon, je ne me suis jamais considéré comme un artiste pour autant et je déteste ce mot. Je suis juste un amateur qui a eu la chance de jouer assez longtemps pour pouvoir tourner et enregistrer, comme pour laisser des petites traces de moi. On dit parfois que le voyage importe plus que la destination, et dans mon cas, ça s'applique parfaitement. J'ai fait de très belles rencontres durant toutes ces années, et j'ai des souvenirs pleins de la mémoire, de quoi remplir plusieurs vies. This one has got it all. Because we are life when the beat goes out of control. It can't be pigeonholed. I betrayed you, kill you fast. My shadow of the past. And all the dreams, they were lies. Told our bed of time. Never been good enough. I plan as love. Wanted to run. As I spun around and looked for friends, wanted to fade. And you inside my head wanted me to stay. Inside my head, please stay. C'était Reset, un morceau de Chip. C'était un beau cheminement que cette émission avec Patrick, parce qu'il m'a fait un texte de 30 minutes, après il m'a fait un texte de 20 minutes, après il m'a fait un texte de 10 minutes, après il m'a fait un texte de 9 minutes, finalement il m'a fait juste un texte de 4 minutes 20. Donc
vous êtes passé à côté de plein de détails, énormément d'humour si vous connaissez Patrick. C'est dommage pour vous, mais en tout cas moi personnellement je me suis régalé. N'hésitez pas à aller le retrouver, il passe au Cage le 8 décembre avec son groupe Chip, donc courez-y vite. Et je tiens à vraiment remercier pour leur présence Géraldine à mes côtés, Arthur aux manettes, Valentin aussi pour tout le boulot qu'il fait ici plus tard et tout le temps quoi. Donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est Noël sur Facebook, c'est Noël Agora Côte d'Azur. N'hésitez pas à me faire un petit mot, ce serait sympa. Nous allons finir doucement avec ABC en Nebel, un morceau de Madiette Pile. Merci encore. Track me down, I'm counting up to ten. I couldn't win, I suppose. My insanity's going on, one run on it so long. Don't know why my med is checked, but could you correct my spelling mistakes? I won't feel lonely again. Now that I'm in the game.